Bonjour et bienvenue les collecteurs. Aujourd'hui, je vous présente 4 pièces de 50 centimes qui m'ont été restituées en monnaie. Sur le site Arthur Mori, je vous mets en description le lien pour aller sur le site et un code promo, vous avez 5% sur tout le site. Aujourd'hui, les amis, je vous parle de 4 magnifiques pièces de 55 euros. Commençant par la pièce de 55 Venizelos grec 2002. Cette pièce a un poids de 7,80 grammes, un diamètre de 24,25 mm. Le métal, c'est du cupro aluminium, autrement dit de l'or nordique. Et la tranche de cette monnaie comporte des larges cannelures. Cette pièce représente une effigie de Eleftherios Venizelos entourée des 12 étoiles de l'Union européenne, dont 3 sont imprimées en creux dans le bas du buste, une au centre et 2 à droite. On retrouve en demi-cercle des mots en grec qui signifient Venizelos. À gauche de la tête, on retrouve le chiffre 50 et immédiatement au-dessous, le mot en grec « cents ». Et sur la gauche, toujours en dessous, on retrouve le millésime 2002. À droite de la tête de Venizelos, on retrouve la marque d'atelier. Cette pièce de 2002 a été frappée à 93 millions d'exemplaires. Et sa valeur, dans un état fleur de coin, est de 4 euros. Consent 1999 Béatrix première carte. Cette pièce représente un portrait au trait épuré de la reine Béatrix. Elle est entourée d'un nuage de points dans lequel sont disposées les 12 étoiles de l'Union européenne. On retrouve aussi en arc de cercle la légende dont je vous fais la traduction. Béatrix, reine des Pays-Bas. À l'exergue, sur le bas de la monnaie, on retrouve le millésime 1999 entouré des différents. La pièce de 55 1999 a été frappée à 99 600 000 exemplaires. La valeur pour une pièce dans un état neuf est d'environ 4 euros. Pièce de 55 euros, deuxième carte du Portugal de 2009. Sur l'envers de la monnaie, on retrouve le deuxième sceau datant de 1142 du premier roi du Portugal, Dom Afonso Henriques.
qui entourait des 7 châteaux et des 5 écus figurant sur le drapeau portugais, alternés avec les lettres du mot Portugal. Eux-mêmes entourés par les 12 étoiles de l'Union européenne. La pièce que je vous présente aujourd'hui, donc la pièce de 50 cents 2009, a été frappée à 20 millions d'exemplaires. La valeur pour une pièce dans un état fleur de coin, donc un état proof ou neuf, si vous voulez, est de 3 euros. La pièce de 50 cents finlandaise. Au centre de la monnaie, on retrouve le lion de Finlande brandissant une épée occidentale, foulant des pieds un sabre. Le lion est l'animal symbole de l'État et figure sur le blason finlandais. Il est entouré des 12 étoiles de l'Union européenne. On retrouve en dessous la patte droite du lion la lettre M. Qui rappelle, les pièces de 50 cents ont un poids de 7,80 grammes, un diamètre de 24,25 mm. Le métal, c'est du cupro-aluminium, dit de l'or nordique, et la tranche de ces monnaies comporte des larges cannelures. Le lion héraldique, symbole de la Finlande, symbolise le pouvoir ainsi que la justice. Il tire son origine des armoiries du royaume de Finlande où figurait un lion d'or. Le graveur de cette monnaie est Heikki Ollis Alvoaja. Et la cote d'une pièce en état neuf, une pièce qui a circulé, est de 4 euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.